un petit bout de sa musique juste avant d'aller à la pause. Je vous représente Éric Mongrain, si vous n'étiez pas là. Alors, salut, Éric. Salut. C'est fascinant de te voir jouer. Pour ceux qui ne l'ont pas vu dans les dernières minutes, on va le refaire jouer dans les prochains instants. Alors, toi, tu es un musicien de métro, un musicien de rue qui a développé, je pense, une façon particulière de jouer de la guitare. Ça s'appelle du tapping. Ben moi, j'appelle ça du lap tapping. Tapping, c'est un peu pas la même chose. OK. Même. On voit d'autres musiciens jouer assis avec une guitare, mais ils ne jouent pas de la même façon que tu le fais. Ben ils font plus du slide avec les cylindres en métal que tu te mets sur l'index. OK. C'est plus pour les couleurs blues, country. Mais c'est vraiment des années-lumière de la façon que moi, je le fais. Ça reste le même visuel un peu. As-tu une inspiration pour faire du tapping comme ça? Ben comme ça, en tant que tel, j'ai vu un gars le faire la première fois, là, peut-être 5-6 ans. Okay. Puis à partir de là, je me suis dit, ah, c'est magique, je vais essayer moi aussi. Mais le tapping à la barre, en général, c'est peut-être sorti dans les années 80. En gros, ça fait okay. Un boom, puis ça vient à peu près de là. C'est une guitare standard, ouais, à 6 cordes. 6 cordes, okay. Très, très 6 cordes d'acoustique, rien de magique, il n'y a pas d'arnaque. Mais tu fais de la magie avec tes doigts, avec cette guitare-là. Linda Lemay, t'as aussi vu à la télé, à l'émission Les Pourris de Talent, Musique Plus, elle t'a envoyé un courriel rapidement, elle dit « J'enregistre mon album présentement, viendrais-tu faire un tour en studio? » T'es allé? Oui. Et qu'est-ce que ça a donné? Ben, ça a donné quelque chose de drôle. Moi, je pensais aller là, puis je pensais faire la musique avec elle pour le plaisir comme ça, puis elle m'a assis là, elle m'a dit « joue ». Fait que là, j'ai joué. Elle a enregistré plein de 4-5 tunes de la musique, en fait. Okay. Elle a amené ça chez eux, puis elle a mis des textes. Ça a pris quoi, 3 jours, elle a mis des textes sur deux de ces chansons-là, okay. Puis là, elle a mis ça sur son disque, puis c'est, elle brette pas, Linda, tu sais, hein? C'est clac, 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 clac. Et toi aussi, depuis les derniers mois, ça fait clac, 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 on te voit de plus en plus, on entend de plus en plus parler de toi. Ben, je dirais que oui, c'est quand même bien, il y a eu plein d'émissions, ben plein, il y a eu les Pourris de Talent une couple de fois. Il y a eu Belle et Bonne, puis ben, il y a ici. Tu veux-tu faire un album de guitare comme ça? Ben oui. T'aimerais ça? Ben, pas nécessairement juste comme ça, mais de ma musique en général, oui. Bon. Alors, tu veux nous jouer encore quelque chose? Oui. OK, on a 2-3 minutes pour aller à la pause. Alors, c'est Éric Mongrain. Écoutez, je pense que ça se laisse écouter, ça se laisse découvrir. C'est parti pour toi. Fascinant de regarder jouer. Tout le monde sur le plateau ici s'est approché derrière les caméras pour te voir. Bravo! Écoute, c'est magnifique. C'est vraiment envoûtant. C'est très harmonieux. La sonorité est belle aussi. C'est très mélodique. Ben, c'est ce que je cherche. En gros, l'harmonie, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans la musique. J'essaie de créer, faire des choses que le monde ne sont pas nécessairement habitués d'entendre, mais ça donne que c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est instinctif. Ouais, c'est inné, dans le fond, c'est ça? Je cherche tu vas sûrement faire la tournée avec Linda Lemay.
S'il y en a une, on n'a pas eu, j'ai pas eu mot de. Mais comme elle ne bête pas, puis que c'est tac, 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 quand elle va t'appeler, ça va être réglé probablement. Oui. Écoute, Éric, merci d'être venu ce matin de Montréal pour participer à l'émission, pour découvrir ton talent avec les auditeurs de téléspectateurs de Salut Bonjour Week-end. On a un petit peu de temps pour aller à la pause? OK, carte blanche. Carte blanche à Éric Mongrain. Une quarantaine de secondes pour aller à la pause. Défoule-toi.